Blackwater en Louisiane en 1879 par Armand Gavorkin. Répond à votre question, le Smilodon voit souvent à sa gigantesque canine supérieure qui émergeait devant sa mâchoire inférieure. Le Smilodon gracilis vivait au nord des États-Unis au début de la période glaciaire et le Smilodon fatalis au sud des États-Unis pendant toute la période glaciaire. Hé, fais le guet. D'accord. Mais grouille-toi, pas le feu au lac. Environ 2 à 3 mètres. C'est le plus grand. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir ça. Waouh! Impressionnant. Ça vaut le coup, hein? Cette bête est gigantesque. Je te le fais pas dire. Dans Science Magazine, j'ai lu que ces bêtes avaient été anéanties par un agent pathogène. Vous savez que cette partie est interdite aux visiteurs. Et pour votre gouverne, ce n'est pas potagène, c'est pathogène. Des microbes. Ils peuvent nous tuer. Ou bien même tuer toute une espèce, comme l'un de vous l'a dit. Vous lisez ce magazine, vous aussi? Ah oui, 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 je suis abonné à vie. Et lui, il est à vous? J'adore le faire croire. Cool. Tu viens? On va avoir des ennuis. Faut qu'on y aille. Au revoir, monsieur. Au revoir, les enfants. À un de ces jours.